Bonjour, cette semaine à l'étiquette, c'est le retour de Momo. Youpi! Donc cette semaine à l'étiquette, dégustation ce samedi avec la bouteille mystère. Que moi-même, je ne sais pas ce que c'est. On va déguster ça. Ah oui! Comme d'habitude, c'est Momo qui va goûter à l'aveugle. Mais moi, je sais pas ce que c'est. Si. Jolie la couleur. Hein. Ouais, c'est pas mal, ouais. Et puis ça goûte pas mal. Hein. D'accord. Un peu comme du gibolin, tu vois. Ah, ça c'est intéressant, ça. Oh. Faut voir s'il y a du gibolin dedans, parce que... Ça fait longtemps que ouais. J'en ai pas goûté du gibolin. Tiens. Ah, merci, hein. Ah, c'est pas mal, hein. Ça pinote. Ah, ça muscate même. Moi, je me demande si c'est pas la cuvée Trois Grandes Froides de Jean-Hugues de Contredit. Si ça goûte un peu pareil. Ah oui. Et moi, tu vois, j'étais plus sur le côté... la spiritualité de la texture, ça s'allie parfaitement avec la minéralité. Hein. Ouais, je suis d'accord avec toi. La minéralité, là, c'est tranchant. C'est bon, ouais. Putain, c'est bon. Hein. Ouais, c'est top, hein. Bonne idée, hein. Mmh. Eh ben écoute, je t'en prie. Mais écoute, en tout cas, moi, ce que je pense, c'est que ça pète le fruit et ça goûte pas mal. Étonnant, non?